Salut les copains, aujourd'hui je fais une pause à Wepa en Australie, quasiment tout au nord de l'Australie. Je suis toujours donc dans un convoyage sur un bateau qui s'appelle Sébaste à Nautitec 48 avec deux skippers professionnels. Et la sagesse a voulu qu'on s'arrête à Wepa plutôt que d'aller directement sur Darwin. La météo est pas bonne, on a un vent d'ouest de face et bon, assez dangereux. Donc on va rester quelques jours à Wepa. Donc à Wepa, bah, il n'y a rien à faire, à part une grosse usine de bauxite. C'est tout ce qu'il y a. Donc on va prendre notre mal en patience, on va attendre un petit peu que la météo soit un peu plus clémente et que les vents soient avec nous. Et on reprendra le convoyage. En attendant, donc la partie Cairns, Wepa, vous allez voir. Ben encore, on a fait une halte juste magnifique dans des endroits extraordinaires. Et puis aussi, on a eu une belle navigation avec des jolis moments de partage et plein de petites surprises. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous retrouve peut-être à la fin pour vous faire un petit débrief. Allez, bye bye. Bon, ils sont comment les fruits et légumes là? Bah là, c'est beau, hein, ils sont bien remis. À la gueule, pourquoi tu me colles comme ça? La selle, la selle. C'est comment Seb ça? Je sais pas, on est en haut. Ça sent très bon, c'est un goût citronné quoi. Mais la feuille, je reconnais pas. Demande à la petite dame. Mais ouais, mais elle m'a dit, mais. On dirait des feuilles de citronnier. Vous n'avez pas que les mêmes? Oui? Non, on n'a pas. Et c'est parti! Et voilà, direction. On va où déjà? À Darwin! Darwin. C'est parti! On est content, putain, 1 h 30 pour le feu. Oh, quelle aventure! Faut vérifier que de l'autre côté, ça soit bien fermé de l'autre côté, là, les deux traces. C'est fait! Okay, allez, on est parti! Route pêche! On part avec un joli vent dans le dos, donc on hisse le Genaker et on va rester juste avec le Genak pendant une bonne quinzaine d'heures. Pendant toute cette traversée, on va longer les côtes australiennes et faire des zigzags entre les îles. Donc il faut aller être vraiment très vigilant. Et on regarde passer les voisins. Alors certains boivent un café gentiment, tandis que d'autres jouent un petit peu au voyeur.
chacun a sa spécialité autre que la voile. Donc Sébastien, c'est la cuisine et Thierry nous ravit avec ses talents de coiffeur. Non, mais je t'enlève rien, n'aie pas peur, aie confiance, Seb. Concentre-toi sur le joli paysage et la musique. C'est marrant que t'as oublié de le voir, ça n'est pas... Vas-y, vas-y. C'est juste que j'ai juste coupé les pointes. Comme ça, ça coupe le cheveu, ça le sent. J'enlève les 2 cm. Ouais, mais je vais garder la lumière. Voilà, moi je sais pas, c'est pareil dans ma main. Va-toi dans le glace. Par contre, tu reprends une douche, t'as des poils partout. Bon Seb, t'en penses quoi de ta coupe? C'est rien, je ne revois pas, comme ça ça va mieux. Ça va. Ça va. Ouais. Non, t'es bien. Hein. C'est bien, hein, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ils sont toujours un peu en l'air, des raccourcis. Hein, Thierry, hein, pas mal, hein. Hein, ouais, ouais. Ah ouais. C'est la coupe de Noël. Ouais, coupe de Noël. Ouais, en plus, c'est pas Noël. On est le genre de vêtements de Razak, maintenant. C'est bon. Alors, heureux. Heureuse. Alors, bah, écoute, heureuse. Ça rafraîchit, non? C'est mieux, ça te plaît, c'est mieux. Ah non, c'est bien, c'est bien. Ouais, quand je vois pas, ça a gardé ton style, c'est toujours pareil. Ah, puis les pointes faites par Thierry, c'est voilà la petite finition, pas mal. Ouais, j'ai tout comme des quoi. Ah, mais normalement, ils font mouiller. Ça en montage rapide. Oui, ils ont un beau geste, ils ont un bon geste, ils essaient de l'attraper bien. Non, non, c'est très très bien fait. Attends, regarde, pour la beauté du geste. Ah non, il n'y a pas de trou, il y a. On a fait des petites vagues, ça rappelle un peu la mer, c'est très joli. C'est ça. Ça fait 60, ouais. Première descente à l'eau, il est coupé en deux. Quoi. Il y a même des traces dedans là, et on voit bien la structure nette. Hein, là, crac, les tentacules arrachés. Il y a même tout démonté. Quoi. Voilà. Faut pas gagner toujours. Et on zigzag toujours entre les îles et les cailles et la côte australienne. Et pour le jour de Noël, on décide de faire une petite pause pratiquement tout au nord de l'île. Et on va découvrir Margaret Bay. Ah, je vais descendre. Hein. Comme je suis en maillot. Comme je suis en maillot, je peux descendre. Attends, j'arrête. Australienne à la limite de la réserve avec une réserve aborigène et on a mouillé et voilà ce qu'on voit. Alors un peu plus loin, à 300-400 mètres, on n'a pas le droit d'y aller parce que ce sont des réserves aborigènes, mais là en attendant on profite de ce spectacle qui est assez magique. L'île est à nous et je suis assez ému de pouvoir voir au moins une fois ça dans ma vie.
Et putain, il est encore en train de me piquer. Oh, mais la même. Bon, moi, je me casse. L'île Margaret Bay. Expédition terminée. Oh, c'était bien calculé, hein. Ouais. Le dévoyage. Parfait. Mais à mort le cours, ouais, comme ça. Ce sera cool. Bon, mais voilà, belle expédition vers les dunes de neige là-bas. Là-bas, c'est de la neige. Parce qu'il fait 30, mais... il y a des dunes blanches comme de la mer. On dirait vraiment de la mer. On se croirait à Serge Chevalier. Ciao. Arrivé à Wepa, on va regarder la météo, on va profiter de la wifi ou de la connexion internet et après en fonction de ce que la météo nous dit, on repart ou on repart pas.